Une cinquantaine de jeunes en formation au métier de l'audiovisuel à la télévision nationale. Cette formation, qui est à sa troisième édition, pour son initiateur, s'articule autour des thématiques qui sont de nature à doter les participants des outils nécessaires pour aider les techniciens professionnels de l'audiovisuel. Cette session de formation porte sur plusieurs thèmes, tels que les terminologies de la télévision, la captation vidéo, la construction graphique d'image, le système optique. Représentant le directeur général de la télévision nationale au lancement des travaux de cette formation, la directrice d'information de ce média public a souligné l'intérêt de renforcer les capacités des techniciens considérés comme des héros dans l'ombre. Dans les coulisses de la télévision, à la base des émissions de télévision, dans le plus grand secret de ces programmes, des rubriques ou des suppléments proposés qui aident à mieux comprendre la façon dont la réalité est construite par l'information, se trouvent plusieurs catégories professionnelles, une multiplicité des corps de métier, un ensemble de personnalités aux apports indispensables. Présent à ces retrouvailles, le député de Makelele 3 a salué les initiateurs de cette formation. Les métiers d'aujourd'hui sont des métiers de l'avenir. Aujourd'hui, avec la technologie qui avance, c'est important de connaître déjà les nouveaux appareils, les nouvelles technologies. Ensuite, avec Internet, il y a beaucoup de jeunes qui se lancent dans les médias. Et parfois, ils se lancent par amour au départ, sans avoir tous les rudiments. Et je crois que ce genre de formation permet de pouvoir ancrer en eux les compétences. La troisième édition de la formation des techniciens professionnels de l'audiovisuel est ouverte aux passionnés des métiers de la télévision.